Déjà, bonsoir à tous et merci d'être venus quand même assez nombreux ce soir pour cette conférence inaugurale d'un cycle que nous avons décidé et que nous proposons organiser ici à l'hôpital Sainte-Anne. On a tenu à ce que ce soit à l'hôpital Sainte-Anne parce que c'est à la fois au lieu de la médecine psychiatrique, et vous le savez sûrement, c'est aussi un lieu important pour la psychanalyse et pour l'histoire de la psychanalyse en France, puisque c'est un lieu où l'histoire de la psychanalyse a débuté finalement, mais s'y est construite aussi et où les acteurs principaux de cette histoire y ont travaillé et se sont de nombreuses fois rencontrés. À l'Institut hospitalier de psychanalyse, à Sainte-Anne, que je dirige, ce à quoi on tient particulièrement, c'est justement de maintenir cette articulation entre la psychanalyse et la psychiatrie. On n'est pas les seuls à le faire, et on est encore à quelques-uns à le faire, et il y a François Plécoula qui est là, qui est chef de service d'un secteur du 15e arrondissement, qui continue à maintenir cette orientation de la psychanalyse en psychiatrie. J'ai croisé aussi Anne-Omer Kofi, qui est responsable, qui est ex-responsable, qui est encore responsable du centre Smirnov, qui vient tout juste d'être rattaché à l'hôpital Sainte-Anne. Donc, encore quelques-uns à se mobiliser pour maintenir cette articulation entre la psychiatrie et la psychanalyse. Ce qu'on cherche à poursuivre, c'est une pratique de la psychanalyse en service public. Ça, on y tient beaucoup, mais également une activité de transmission de la psychanalyse et de la clinique psychanalytique. Mais ce soir et cette année, donc, ce qu'on a décidé de relancer, de reprendre, c'est ce qui a toujours été au cœur des activités de l'association Corella, que vous connaissez peut-être, et au cœur évidemment de sa présidente et fondatrice Françoise Gorog, à savoir la croisée, la rencontre des disciplines et des sciences dites affines à la psychanalyse. Et c'est dans le cadre de cette relance que nous vous proposons, en collaboration avec les éditions Hermann cette année, avec sa représentante, donc Laurent Joseph, qui est psychanalyste et directrice de la collection Psychanalyse chez Hermann. Donc nous vous proposons ce cycle de 3 conférences. Et donc, avant de remercier notre invité, je voudrais remercier. Bonjour Philippe. Passe. Je voudrais remercier évidemment Françoise Gorog, sans qui rien de tout cela serait possible. Sans qui, évidemment, l'Institut de psychanalyse n'existerait pas, puisqu'elle l'a créé. Et sans qui, probablement, ou peut-être, je ne sais pas, les gens qui se réunissent cette année pour organiser ce cycle ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Peut-être, mais... Donc pour ce cycle, nous avons choisi 3 invités prestigieux, disons-le, avec Yannick Hennel, Patrick Boucheron et Delphine Orwiller, qui, chacun depuis leur champ de savoir ou de pratique, va pouvoir nous altérer un peu, nous pousser à sortir un peu de ce qui est de notre domaine. Et surtout, je pense, en évoquant chacun leur rapport à la psychanalyse, nous enseigner quelque chose, nous enseigner comment la psychanalyse, dont on prédit la mort depuis sa naissance, comment la psychanalyse travaille ailleurs que dans son domaine propre. Et donc ce soir, c'est un grand honneur de recevoir Yannick Hennel, écrivain, vous le savez, prix Médicis 2017 pour son livre « Tiens ferme ta couronne ». Il a échappé de peu au Goncourt, mais ça viendra. Qui nous avait déjà effectivement rejoint à cette table autour de l'association Corella pour parler avec Catherine Perret, mais aussi pour présenter ses livres, et notamment Yann Karski et les Renards Pâles, bienvenue. Je souhaite ce soir quand même que, de par son propos, il puisse nous amener quelque part, là où il nous amène dans ses romans, autour de ce qu'il appelle, je crois,
pardon, je ne trouve plus l'expression, voilà, qui nous amène du côté de l'impossibilité du dire, hein, le champ de l'impossibilité du dire, dont il parle très bien dans différents romans, dans Jan Karski en particulier. Et c'est forcément un domaine qui ne peut pas laisser indifférent celui qui se réclame de la psychanalyse. Alors je vais laisser le soin à Stéphane Habib de poursuivre cette introduction. Mais je voulais remercier chaleureusement donc Yannick Haenel d'avoir accepté cette invitation et de se prêter à cet exercice pas toujours facile. Stéphane Habib, que l'on ne présente plus, psychanalyste et philosophe, membre de l'Institut hospitalier de psychanalyse depuis sa création, hein, et membre de Corella, évidemment, un membre actif de Corella depuis longtemps. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Merci, merci Luc. Alors, je tiens d'abord et avant tout, moi aussi, à vous remercier d'être venus nombreux ce soir pour écouter Yannick Haenel. Je vais, quant à moi, maintenant, simplement essayer de vous dire ce que signifie pour la psychanalyse, disons la psychanalyse telle que nous la désirons, ce que signifie donc pour cette psychanalyse-là écouter Yannick Haenel. Si je disais que pour Françoise Gorog, Laurent Joseph, Luc Fauché et moi-même, ce cycle de conférences que nous inaugurons est important, cela resterait un euphémisme, voire l'euphémisme d'un euphémisme. Parce que ce qui en a motivé l'organisation, il faut bien le dire, c'est la question qui s'impose assez violemment, en ce moment particulièrement, de l'avenir de la psychanalyse. Nous avons cette idée tenace que cet avenir demande à être ouvert. Ou encore, plus précisément, que pour qu'il y ait un avenir, il devient nécessaire d'ouvrir la psychanalyse elle-même. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ouvrir la psychanalyse? Alors, ne nous perdons pas dans quelques descriptions amères, voire déclinistes. Laissons à d'autres, et ils sont légion, vous le savez, la morgue toxique d'un « c'était mieux avant ». À vrai dire, parce que nous n'avons même plus le temps, l'urgence est telle que nous n'avons même plus le temps, je crois, d'être tristes. D'ailleurs, il faut dire que c'est Yannick Haenel lui-même qui écrit, et je te demande pardon parce que je te jure que je voulais bien faire les choses, d'abord. Je voulais d'abord dire le pourquoi des conférences, et dans un deuxième temps, te remercier, et puis te présenter, te citer, etc. Mais tu le sais, j'ai cette maladie des phrases, de la langue qui décide et qui me traverse, une maladie qui est contractée à force d'écoute des langues et de la parole, une maladie de la digression associative en fait, de l'enthousiasme aussi, et donc de l'envie urgente de faire entendre ton écriture. Alors tant pis pour l'ordre, je mélange tout et je laisse tout venir tout le temps en même temps. C'est donc, disais-je, devant la morgue triste du « c'était mieux avant », lui, Yannick, qui, avec François Méronis, écrit, écoutez bien, nous récusons les pleureurs bramant après une culture défunte, et les crabes hideux de la rancune nous ont toujours fait sourire. Lorsque le désenchantement, ultime ressource des têtes molles, arbore les pantoufles de l'indignation, le fantôme de l'impuissance n'est jamais très loin. Ça, c'est génial. Lorsque le désenchantement, ultime ressource des têtes molles, arbore les pantoufles de l'indignation, j'aime beaucoup les pantoufles de l'indignation, le fantôme de l'impuissance n'est jamais très loin. Ou bien, d'ailleurs, 10 ans plus tard, à croire qu'il faut toujours rappeler quelque chose dans ce registre-là, je cite, « Il y a mieux à faire que de rejoindre la cohorte impuissante des bougons, des ronchons et des râleurs. Il y a, et puis les psychanalystes entendent cela, il y a à se mesurer à l'événement. À nos yeux, cela signifie écrire, et il n'existe pas selon nous de littérature ou de pensée sans un exode préalable, disons-le plus nettement, sans sortir de la maison d'esclavage. Sortir de la maison d'esclavage, nous voilà en bonne compagnie avec Yannick pour l'avenir et pour l'avenir de la psychanalyse, en tant que cette sortie de sa maison sans doute, que la psychanalyse sorte de ses lieux, cette sortie est la condition de son avenir. Évoquer et appeler l'avenir, ici en ce moment même, l'avenir de la psychanalyse, c'est convoquer à la fois la joie et le désir. Désir de penser, d'élaborer, de théoriser, d'écrire, de parler, en un mot de ne cesser de relancer la psychanalyse.
dans la droite ligne de Freud au fond, réinventer la psychanalyse sans relâche. Et, comme l'a dit Luc, nous avons considéré que ça ne pouvait pas se faire sans la création de passages, la construction de ponts, l'emmêlement des langues avec la philosophie, l'histoire, le cinéma, la musique, l'architecture, la psychiatrie, la littérature, mais encore avec tout ce qui pourra nous servir à penser. J'ai en pensant prononcer le mot « littérature », eh bien, croyez-moi, oser le proférer devant Yannick Enel est pour moi évidemment un honneur, mais surtout, toujours, à chaque fois que cela m'arrive, et j'ai cette chance, un tremblement. Pourquoi ? Je ne vais pas me contenter de vous le dire, je vais vous le lire tout à l'heure, mais je crois que Yannick Enel fait surgir des phrases tout le temps, à profusion. Et c'est peut-être cela pour lui exister, donner lieu à la prolifération de phrases. Ce que je pense ainsi, c'est que Yannick Enel ne fait pas de littérature, non. Il fait la littérature. Et avant de le lire, on ne peut pas savoir ce que c'est que la littérature. D'ailleurs, afin que vous ne commenciez même pas à pouvoir rapprocher ce mot, lorsqu'il le fait, lui, de ce qui se vend comme produit culturel, que tu appelles parfois Kaamelott, sous ce nom de littérature, je peux préciser qu'il ne recule pas devant cet autre nom en vue de signifier exactement la même chose, poésie. L'idée, donc, en recevant Yannick Enel, n'est en aucun cas, j'insiste, c'est très important, absolument aucun, de chercher quelque chose comme l'application de la psychanalyse à la littérature. Surtout pas. La psychanalyse n'étant pas une grille de lecture, ni une conception du monde, alors, lorsqu'elle est digne de ce nom, elle est parfaitement inapplicable. Ni non plus, donc, de chercher ce qu'il pourrait y avoir de psychanalyse, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, dans le corpus de Yannick Enel. Au fond, si je ne devais dire qu'une chose de la psychanalyse, c'est que ce n'est pas ça. Et bien que cela paraisse très court, je tiens qu'à pouvoir tenir que ce qui porte le nom de psychanalyse ne peut pas être cela, une herméneutique, un surplomb souverain sur les savoirs, alors nous avons à disposition un point de départ solide depuis lequel la relancer dans le jeu de la pensée. Donc, et je vais m'arrêter, si nous avons la chance fabuleuse de pouvoir entendre Yannick Enel, c'est en vue de l'écouter. Et écouter, contrairement à ce qui se dit souvent, écouter est un acte qui signifie accueillir et recueillir. Et à l'écouter de la sorte, nous apprendrons ce qui se passe avec la parole lorsqu'elle se met à arriver en phrase et en langue. Se dessine précisément là le creusement d'un passage, quelque chose entre ce qu'il nous donne, Yannick, et ce que recueilleront peut-être nos oreilles. Nous servir à notre tour de ce qu'il nous donnera à apprendre, de ce qu'il nous aura donné à questionner, c'est faire arriver quelque chose à la psychanalyse, l'altérer, lui faire penser d'inédit, l'inouï. Autant de variations sur le thème de l'avenir. Je vous ai dit que j'allais vous le lire, alors écoutez, il écrit « Un passage neuf pour la parole ». Et encore. Oui, une parole miracle qui, sur le mode d'une étrange extase, trouve une vie nouvelle à partir de son effondrement. Une parole qui s'ouvre en un éclair à l'immensité de ce qui l'assaille. Retourner la mort en parole. Et encore, ceci, qui est une des dizaines de définitions de la littérature écrites par Yannick. Et je tiens que écrire plus d'une définition, c'est en même temps indéfinir. La littérature, écrit-il, on pourrait la définir comme un appareil à enregistrer ce qui arrive au temps. Celle-là que je viens de lire, je soupçonne Yannick de l'avoir écrite en tenant la main de Walter Benjamin, traçant l'une de ses plus célèbres phrases « Chaque seconde, écrit Benjamin, chaque seconde est la porte étroite par laquelle peut passer le Messie. » Et encore, et enfin, car je vais très arbitrairement mais non fortuitement m'arrêter à peu près là, ainsi la littérature n'existe-t-elle qu'à la condition de se colter avec la chose. Écrire un livre de littérature implique de s'ouvrir à ce qu'on ne parvient pas à se représenter, à ce qui peut-être échappe à la représentation et même ne se représente plus. Cela implique de témoigner pour l'irreprésentable. Encore une, attrapée dans un entretien très récent pour la revue Décapage, elle tourne justement autour de ce qui vient étant l'autre nom de l'avenir. Qu'est-ce qui vient quand on écrit ? L'écriture exige un agencement propice qui implique la convocation des invisibles. Il s'agit de se rendre disponible à une parole qui scintille à l'intérieur du langage,
d'être en état de l'accueillir afin qu'à travers elle se déplie une ouverture nouvelle. Ce qui est en jeu, écris-tu, c'est la vérité. Sinon, pourquoi écrire ? Je te laisse la parole. Ben, il ne me reste plus qu'à vous décevoir. Grand merci, je suis écrasé et un peu terrifié, je dois dire. Pardon. J'ai... Encore merci. Je suis très honoré. Je vais m'employer à articuler une parole qui ne sera pas à la hauteur de ce que tu espères, ni de ce que tu hallucines en lisant mes livres. Ce sera beaucoup plus modeste. J'en ai bien peur. Et je vais essayer de me tenir à cette modestie qui sera déjà pas mal. En revanche... c'est là. Pardon. En revanche, j'ai pensé que ce serait bien d'avoir un titre. Et comme j'aime bien les grands mots, le titre, c'est « La vérité en littérature ». Ce titre est un hommage à Jacques Derrida, dont vous connaissez sans doute le livre à la fois erratique et plein d'avenir, là aussi, qui s'appelle « La vérité en peinture ». Et si je cite Jacques Derrida, c'est parce que Derrida me fait penser à Stéphane, et Stéphane me fait penser à Derrida. Et dans cette histoire de transmission à travers le temps, de transmission poétique à la fois des disciplines, mais aussi des de ce qui se salue à travers ce grand fleuve de langage dont parle Dante, qui prend de multiples voix et de multiples échos, eh bien, il m'arrive de penser que la littérature, je ne sais pas si c'est sur une autre rive, mais en tous les cas, répond au questionnement philosophique, à l'interrogation passionnée de la psychanalyse, et en tous les cas, essaye de répondre à toutes les voies qui ne cessent de la traverser. Je ne crois pas que la littérature soit univoque. Je ne crois même pas qu'elle vienne d'un auteur, d'une autrice, de quelqu'un, d'une autre personne. Je crois que essayer de faire de la littérature, c'est se mettre à l'écoute de toutes sortes de langues qui viennent de toutes les époques. Et c'est la première raison pour laquelle j'ai une immense sympathie, au sens presque de l'encre, pour la pratique psychanalytique. J'ai l'impression, je commence en improvisant là, j'ai l'impression que c'est ce à quoi je m'emploie en tentant d'écrire, non pas de raconter mes salades, mais de me pencher très bas, le plus près possible, d'une espèce d'immense ruisseau, ou peut-être est-il très mince ce ruisseau, qui charrie depuis très longtemps, et de sans doute sans origine, parce que je pense que la littérature est sans origine, quelque chose comme un patchwork de paroles. Voilà. Écouter la parole pour donner vie à la parole. Alors, ça vous rappelle sans doute quelque chose. Et mon savoir psychanalytique est très réduit. Je lis Lacan comme un poète. Je lis Lacan comme un texte, là aussi comme un patchwork. Et je sais qu'il a, je ne sais plus où d'ailleurs, mais je sais qu'il a énoncé ce précepte, pas de mission de vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, j'aime bien, pas de mission de vérité. Alors ça tombe bien parce que la vérité en littérature, ça n'est pas un énoncé qui pour moi viendrait de manière protocolaire, comme une affirmation selon laquelle la littérature détiendrait quoi que ce soit, encore moins la littérature. Elle ne se détient pas elle-même, mais encore moins la vérité. Mais je vais essayer ce soir de formuler devant vous une scène d'écriture au fond, une scène qui peut-être sera politique, qui en tous les cas sera intime et mythique, vous verrez, scène par laquelle peut-être parviendrai-je à faire tenir quelque chose de ce que j'espère de la vérité. Ce
Cette soirée, pour moi, est une réponse à une question, à une remarque qu'a faite Stéphane Habib il y a quelques mois, non pas à Bruxelles, mais à Louvain. Vous connaissez Louvain aussi, grâce ou à cause de Lacan. Et lors d'un colloque, tu avais soulevé cette question qui m'a fait travailler, penser, réfléchir, aimer, à savoir que tu te demandais très simplement pourquoi je tenais tant que ça à maintenir ce vieux mot de vérité. Voilà. Je n'ai pas de réponse stricte, au sens où, en général, je m'exprime de manière narrative. Vous voyez déjà que ça part un peu dans tous les sens, sans doute, mais j'aime bien que ça fuit. Et je vais tenter de recueillir, comme tu le disais si bien, toutes sortes de pensées pour faire écho à cette remarque. Je ne sais pas si je tiens en mot vérité, mais il se trouve que je l'emploie. Et il se trouve qu'il tient, lui. Et je continue à penser, dans mon entêtement, qu'une des choses les plus importantes, pour le dire bêtement, au fond, parce que la question de l'importance, de ce qui est important dans nos vies, c'est la chose même, c'est cette question, sommes-nous capables de vivre dans la vérité? Est-ce que quelque chose de la vérité s'affaire dans notre vie? Ou est-ce qu'on ne cesse de fuir ce qui nous noue? Voilà. Pour moi, écrire des livres, ça a à voir avec ces questions-là, enfin, moi, avec cette vieille question, la recherche de la vérité, comme on disait au XVIIe siècle. Sauf que je crois assez peu qu'elle se donne au bout d'un parcours, ni même qu'elle est l'objet de la quête, mais qu'elle se parsème, si je puis dire. Et j'aimerais avoir du temps pour penser ce mot que je viens de prononcer, parsemer, on verra bien. Voilà, en pensant à répondre donc pour ce soir à Stéphane et à cette remarque sur pourquoi continuer à utiliser ce mot, je ne pensais pas tant au fait que ce mot est perturbé par le grand délire planétaire du politique, à savoir ce qu'on appelle la post-vérité, parce que je pense que cette chose-là, si on la pense un peu 3 minutes, a déjà eu lieu depuis toujours. C'est juste une façon de fabuler qui est nouvelle, de fabuler de manière métafabulante, si je puis dire. Mais je pensais plutôt à une phrase de Jean-Claude Milner. J'y pensais parce que depuis quelques semaines, je suppose que comme vous, je me demande ce qui se passe dans l'irruption d'une vérité populaire. Je me demande ce qui se passe dans l'ordre de ce qu'on peut appeler le soulèvement des paroles qui n'arrivent pas à se dire. Et je me demandais ce que c'était qu'un blocage. Je me demandais ce que c'était qu'un rond-point. C'est intéressant, les ronds-points. Enfin. Et donc je suis tombé sur cette question. Bref, je parlais des gilets jaunes, évidemment, dans ma tête. Et je suis tombé sur cette phrase de Jean-Claude Milner qui sépare les imbéciles des idiots. Et il en vient, je ne sais plus dans quel livre, je crois que c'est L'Universel en éclat, je crois, ou Clarté de tout, bon, on s'en fout, non. Il en vient à dire, bien avant tout le monde, ou en même temps que tout le monde, que sans doute le politique n'existe plus, ou alors il n'arrête pas de ne plus exister, et qu'en France, en tous les cas, la distinction entre la gauche et la droite devrait être remplacée par cette distinction-là, les imbéciles et les idiots. Il ne dit pas qui sont les imbéciles et qui sont les idiots. En revanche, il précise ceci, qui m'intéresse, j'espère vous aussi, à savoir que pour lui, les imbéciles sont ceux qui fléchissent, et les idiots sont ceux qui s'entêtent. Donc je pensais à ce qui se passe actuellement. Et ce fléchissement et cet entêtement faisaient quand même de la politique. Cette différence-là refondait d'une manière finalement drôle, je ne sais pas, mais en tous les cas distincte, quelque chose qui a à voir avec ce que tu appelles l'événement. Parce qu'au fond...
entre fléchissement et entêtement, il y a toutes sortes de comportements politiques, de comportements amoureux, de comportements poétiques qui peuvent se répertorier. Et je me disais que si chez les imbéciles la reddition était une seconde nature, au fond, chez les idiots, toujours selon Milner, si je comprends bien, il reste de l'irréductible. Les idiots, ce sont les irréductibles. Ce sont ceux qui, finalement, ne se laissent pas tout à fait faire par, disons, la société, pour aller vite, et surtout par l'emprise. Ce sont ceux qui, les idiots, de Saint-François d'Assise à Buster Keaton, disons, ou à certains d'entre nous, je suppose, ou à une part d'entre nous, ne se laissent pas envahir. Et bref, les imbéciles ont peur de l'événement, ils ont peur qu'il arrive quelque chose. Les idiots, eux, ne pensent qu'à l'événement, ils l'attendent. Voilà. Je ne sais plus très bien pourquoi je vous dis ça, mais je me dis que si ça vaut le coup encore de penser la vérité, c'est-à-dire les affrontements, quelque chose qui échappe à ce que Lacan appelait le service, eh bien ça a à voir avec ça. En tous les cas, je pensais à ces jours-ci, de manière embrouillée, à cet affrontement entre les imbéciles et les idiots, et à cette scène en moi où un imbécile parle à un idiot, et inversement, et essaye d'en faire des phrases, au fond, de faire une population avec ça. Et je me disais, très simplement, comme tous les jours, finalement, est-ce qu'il existe encore une parole ? Le problème de la vérité, c'est celui de la croyance, à savoir qu'il y aurait donc quelqu'un qui dirait quelque chose à quoi on peut croire. Et pour avoir été professeur pendant presque deux décennies dans ce qu'on appelle la banlieue, dans le lieu du banc, vous voyez, enfin, le lieu banni au fond, j'ai pu vérifier qu'a priori, on n'y croit pas à la parole. On ne l'attend pas. Non pas qu'on soit des imbéciles, mais l'événement, c'est fini depuis longtemps. En fait. Plus personne n'y croit. Et je ne sais pas si la parole professorale est biffée du coup, mais ça a été mon expérience. En revanche, cette non-croyance qu'on m'opposait immédiatement, à 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, etc., faisait que je ne croyais qu'à ça. Et faisait que je m'entêtais, que je faisais l'idiot, en fait. Et voilà, existe-t-il encore une parole, qu'elle soit politique, scientifique, sociologique, économique, qu'elle soit absorbée dans la finance ou dans l'information ? Bref, la question que je me pose, et j'en arrive à l'essentiel, la question que je me pose, je ne peux la formuler qu'en tant que je crois à un point très particulier, qui peut-être ne se développe pas tout à fait en parole, mais qui chez moi, en tous les cas, demande à s'accomplir comme tel, à savoir la littérature. La question de la littérature, pour moi, est très simple, au fond. Je veux dire que la simplicité n'est pas simple, mais elle s'énonce comme simplicité, c'est où est-on encore en vie ? Voilà, où est-on encore en vie ? Je pense que c'est une très vieille question augustinienne, au fond. C'est une question topologique. Est-ce qu'il y a un lieu où on est en vie ? Et moi, j'ai voué ma vie, finalement, je le dis de manière dramatique comme ça, à explorer ce lieu dont je pense qu'il a lieu dans la parole. Voilà, donc ce dont je vais vous parler un petit peu, je vais développer cette chose-là, c'est une expérience... où justement on met en vie, c'est une expérience où a lieu quelque chose qui relève d'une parole qui met en vie. En disant cela, je me rends bien compte que ça flirte immédiatement avec la vieille histoire de l'esprit, que ça flirte même avec des discours
qui ne relève plus de la raison, et j'en ai bien conscience. Voilà, j'aimerais circonscrire devant vous, je ne sais pas si ça va vous servir, si vous en foutez, ou si ça peut vous aiguiser, ou si moi ça peut aiguiser quelque chose de l'ordre des formulations, de manière modeste, comme je disais, de manière plutôt latérale, en balayage, quelque chose, alors au pluriel, qui relève d'une expérience, voilà, je n'ai que ça, qui est que toutes ces choses dont j'ai parlé, je les affecte d'un coefficient non mesurable qui s'appelle les phrases. Ça a lieu en phrases, et c'est ça que j'appelle la littérature. La littérature, je suis aussi heureux, pardon, de vous en parler ce soir et d'appuyer sur ce terme-là, parce que j'ai bien conscience que ça n'a plus d'importance. J'ai bien conscience qu'il y a une solitude de la littérature, et que la littérature est devenue absolument minoritaire, alors même qu'elle a été pendant longtemps, dans la langue française, principalement dans ce pays, le discours majoritaire, et peut-être même le lieu dans lequel s'articulait une vérité politique, je dirais jusqu'à Sartre au fond. Je parle moins d'importance sociale, même si ça compte, parce que là on sait bien que la littérature n'a plus aucune importance sociale. Je parle moins d'importance sociale que d'enjeux spirituels, de désignation du réel par un discours. Je dirais comme ça bêtement, avant, c'était la littérature qui disait la chose même, le réel. Elle le disait d'autant plus qu'elle n'existait pas en tant que telle, la littérature. Au XVIIe siècle, personne ne faisait de littérature. Il y avait des gens qui écrivaient des lettres. Mais c'est eux qui fondaient le rapport à l'écriture et qui baptisait, si je puis dire, la réalité. Voilà, je vais essayer de vous parler, donc, comme je l'ai dit, d'une scène pour un peu métaphoriser ce qu'il en est de mon témoignage. Tout le monde témoigne de quelque chose, même en silence, et moi je ne peux témoigner que de ce que... non pas de ce que j'écris, parce que je crois que vous n'en avez pas besoin, il y a des livres, on les lit, on les lit pas, mais en revanche de ce qui a lieu quand on se met à écrire, de ce qui se mobilise, de ce qui s'entremêle, de ce qui semble relever à la fois du désir et de son brouillage, voilà, de ce qu'est une parole, et je crois que vous en savez autant que moi là-dessus, puisque chacun, chaque corps parlant sait ce qu'il en est de parler et de ne pas y arriver. La littérature a ceci de particulier qu'elle est très en phase avec sa propre impuissance, avec sa propre impossibilité. Je suis absolument ravi que vous ayez commencé avec cette question de l'impossible, dont je ne fais pas religion. Il y a une religion de l'impossible, un peu post-lacanienne ou post-bataillenne, qui me pompe un peu l'air, je dois dire, parce qu'au fond, des choses sont possibles. Enfin, pourquoi tout serait impossible ? Je pense que le réel ne relève pas seulement de la structure de l'impossible, et je pense que le langage peut faire jouir, voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà, cette scène, je vais vous la raconter en empruntant une très vieille anecdote, un très vieux poème, pour essayer d'en tirer profit devant vous et pour la rendre partageable. Je vais juste boire un petit coup. Il fait super chaud, non ? C'est moi qui suis la mort. L'ardeur, pardon. Alors c'est dans Les Métamorphoses d'Ovide, et c'est une scène que vous êtes sans doute déjà abondamment racontée, mais au fond on ne fait que réécrire. Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion, enfin j'ai voulu trouver cette occasion, de réécrire cette scène qui est celle de la rencontre entre le chasseur Actéon et la déesse Diane.
Si j'ai envie de vous la re-raconter, c'est-à-dire de l'écrire devant vous, et évidemment de la modifier, non pas de me l'approprier, parce que là aussi je ne vois pas l'intérêt, mais plutôt de m'en débarrasser, une fois de plus, c'est parce que je pense qu'elle a à voir avec justement le rapport entre vérité, parole, impossible, et peut-être quelque chose d'autre que j'aime à y faire jaillir, à savoir la question érotique, l'amour. Donc. Bref, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je l'ai appris en lisant le livre de Klosowski qui s'appelle « Le bain de Diane », mais ce jeune homme, Actéon, qui est, dit-on, le meilleur des chasseurs, donc c'est un professionnel, comme on dit aujourd'hui, est de la famille de Dionysos. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se tempérer. C'est quelqu'un dont la vérité, justement, relève de la violence et de ce que j'aime appeler l'intempérance. C'est-à-dire, vous savez, quand on a toujours soif. Et c'est un intempérant. Et Giordano Bruno, que Lacan admirait, je pense, il n'est pas le seul, a écrit un livre absolument merveilleux sur, justement, Diane et Actéon, pas seulement, où il fait d'Actéon un chasseur d'âmes, et de Diane, la déesse, non pas de la chasse, mais de la connaissance. Voilà, je mets ça tout de suite pour élargir ce récit. Bref, Actéon renonce un jour à sa chasse. Il baisse les armes, il change de registre, et alors qu'il sommeillait dans un bois où il s'est perdu, vous vous souvenez, il voit passer comme dans un songe, et au fond c'est un songe, c'est une fabulation, c'est une fable mystique, comme dirait Michel de Certeau, il voit passer un cortège féminin. Ce cortège, il le reconnaît immédiatement comme étant celui qui accompagne, là aussi de manière mystique, la déesse qu'on n'a jamais vue, celle qui se dérobe, celle dont la virginité est dangereuse, puisque évidemment impartageable, mais également protégée par les mêmes attributs que lui, Actéon, et c'est ça l'important, c'est-à-dire la chasse, l'arc et le carquois, les flèches. Actéon décide donc de rompre une chasse, de sortir du monde de la mise à mort. Il décide de ne plus tuer pour suivre une déesse. Et il va assister à ce que dit Ovide, mais bien avant Ovide, d'autres mythographes, il va assister à la chose interdite, justement, donc étymologiquement, entre parole et silence, la chose qui ne peut se dire, mais qui ne peut se taire non plus, à savoir la nudité de la déesse imprenable. Parce que dans ce bois qui appartient, qui est le bois sacré, disons, l'un des bois sacrés qui appartient à Diane, l'instant du réveil d'Actéon coïncide avec celui du bain de Diane, entouré donc de ces nymphes qui vont protéger celle-ci des regards. De même que Camus nous invitait à imaginer Sisyphe heureux, je pense qu'il faut imaginer Actéon excité et en train de reluquer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la déesse nue. La position, je dirais, derrière les roseaux, devant je me le figure comme un lac, mais c'est une sorte de grotte, la grotte des nymphes, l'antre des nymphes. La position d'Actéon est tout à fait celle du voyeur masturbateur, de l'onaniste, qui au fond essaye de faire reluire le plaisir sur son propre désir, c'est-à-dire de répliquer à l'impartageable de Diane par un impartageable qui est sa propre jouissance. Alors c'est pas dans le texte, hein, on ne sait pas s'il se masturbe, mais je vous dis ça juste comme ça pour vous embêter, pour voir un peu, pour me détendre. L'important arrive là. Les nymphes, qui sont aussi les surveillantes de Diane,
puisque Diane tournait le dos à son voyeur, qu'elle ne voyait pas, donc, à son voyeur invisible. Les nymphes ont repéré Actéon, en informe Diane, qui, à ce moment-là, va faire le geste impossible, celui qu'Actéon ne peut plus faire non plus. On le voit sur divers tableaux de toute la peinture occidentale, de certains tableaux merveilleux, il y a un Titien notamment. Elle tend son bras vers son épaule pour chercher dans son carquois la flèche, pour abattre l'important. Mais elle a été dénudée par ses amis, les nymphes, et elle n'a pas d'armes, tout comme Actéon. On est dans un espace, et ça m'intéresse beaucoup, parce qu'on est dans un espace qui ne relève pas du sacrifice, a priori. On est dans un espace désarmé. On est dans un espace où on ne tue pas. Et comme elle ne peut éliminer de cette scène celui qui la viole par son regard, elle va inventer quelque chose d'absolument faramineux, qui est écrit en toutes lettres dans Ovide, à savoir qu'elle elle va avoir recours, vous le savez, à ce qu'on appelle une aspersion. Elle va asperger Actéon de gouttes d'eau. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut y voir, et d'ailleurs, on y voit ce qu'on y voit, mais il se trouve que vous avez tous reçu des gouttes sur votre visage, vous avez tous vu des gouttes, je ne sais pas si vous avez regardé dans une goutte, mais il se trouve qu'une goutte, moléculairement, c'est le monde entier. Se reflète dans une goutte la scène entière, le cosmos, si j'avais envie d'avoir recours à un grand mot, a lieu dans chacune des gouttes qui sont jetées sur Actéon. Ce qu'elle lui donne, c'est le monde. Il se trouve que cette aspersion a également, dans le même temps, un objet mortel, puisqu'il s'agit, par cette aspersion, de métamorphoser le corps d'Actéon qui, magiquement, par le pouvoir de la déesse, est en train de se transformer, et là vous le savez très bien, en cerf. C'est-à-dire en l'objet même que lui n'a cessé de chasser, en l'objet même qu'il a rendu à l'immunité en arrêtant de chasser. Il devient donc il devient sa propre proie. La sanction tombe aussitôt, puisque comme c'est un affrontement entre deux chasseurs, la Diane a ses chiens près du lac, et Actéon avait laissé ses chiens dans le bois, transformé en cerf, il est aussitôt dévoré par ses propres chiens, et donc puni d'avoir regardé la déesse nue. Donc il y a quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas, à savoir une leçon morale, une signification morale, à savoir, tu n'aurais pas dû t'écarter de la tuerie, tu aurais dû rester un homme qui tue, tu n'aurais pas dû essayer de regarder celle qui est interdite aux hommes, et t'écartant de ton chemin, voyant ce qui ne t'est pas promis, à savoir la vérité, tu en meurs. Il y a donc cette première collusion symbolique qui nous dit la vérité n'est pas permise aux humains, même pas aux humains, je dirais aux hommes, aux masculins. Voilà. Je crois par ailleurs que ce qui a lieu dans le moment du déchiquettement à travers les mâchoires de ses propres chiens, du déchiquettement d'Actéon, relève peut-être de quelque chose qui demande à être pensé, à savoir que c'est là qu'a lieu la scène sacrificielle, et c'est là qu'Actéon accède à son être, à ce qu'il cherchait, c'est-à-dire voir quelque chose qui a lieu juste avant la mort. C'est dans les mâchoires de ses chiens, de ceux de Diane et de ses propres chiens à lui, qu'il voit. Alors j'aimerais tenter une définition, tu as donné quelques définitions hasardeuses que j'ai vues de la littérature, je voudrais en donner une encore plus discutable, à savoir que
La littérature, ça consisterait à créer les conditions personnelles, néanmoins générales, par lesquelles on accède à quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir, mais sans en mourir. C'est là où j'aimerais accéder au XXIe siècle, ou à une transgression, ou à un autre calme, à une contestation, à une réécriture des mythes. J'aimerais explorer une matière où il serait possible de voir ce qu'on n'a pas vu sans en être puni. Je pense comme Rimbaud que la morale est la faiblesse de la cervelle. Je pense que l'existence poétique, les pouvoirs de la fabulation, de la poésie, sont plus forts que ce qui vient nous encager, nous contraindre. Voilà, donc à travers cette scène où la vérité se donne pour nous tuer, j'identifie un certain nombre de traits qui sont ceux de ce que j'appelle le passage à l'acte littéraire. Il y a, par exemple, je vais noter, mais je ne sais pas trop où. Il y a le fait qu'écrire, pour moi, ne relève pas de la symptologie de l'information. Enfin, il y a énormément de livres qui se donnent partout, tout le temps, comme relevant de la température psychique, au fond. Et certains sont absolument passionnants. Enfin, les confessions de Saint-Augustin, c'est ça aussi, en un sens. C'est où est-ce qu'en est un homme vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis du mensonge, et vis-à-vis, disons, de Dieu. Enfin, ça demande à se dire autrement, mais... toute cette littérature a fini par créer un modèle autobiographique en Occident qui ne cesse finalement d'être fondé de degré en degré et de d'année en année sur l'inconsistance, au fond, à laquelle on ne peut pas échapper. Quoi raconter d'autre, finalement, à la fin de sa propre inconsistance? Alors j'espère mieux en la littérature et je me dis que la littérature est à la fois une plateforme où poésie et parole viennent retrouver par la mémoire des mythes comme celui que je vous ai retissé, disons, mais aussi que la littérature est l'autre nom de la pensée. Et donc je vous disais que dans cette histoire d'Actéon et Diane, que je vais bientôt quitter parce que je sens que moi aussi je suis sur un rond-point là, je tourne, mais bon, vous me direz que vous en avez marre. Au fond, il y a là l'idée que, comme Actéon, écrire c'est frayer une contrée, c'est sortir de, comme Dante au fond, dans sa forêt dépressive au début de la Divine Comédie, c'est sortir d'un lieu pour aller dans un autre. Ça, c'est une chose banale, mais enfin, parfois il faut toute une vie. C'est aussi tomber les armes, c'est-à-dire passer, faire un bond, comme disait Kafka, c'est une phrase célèbre, faire un bond hors du rang des meurtriers, c'est ce que fait Actéon. Il ne pourrait pas s'aventurer jusqu'à la déesse s'il n'avait pas déposé les armes. Ça, c'est très important, ça n'arrive pas tous les jours dans ce qu'il en est de l'affirmation d'une singularité. On arrive tout armé pour affronter l'inconnu. Il choisit, et c'est tout à fait contemporain pour moi, enfin, la grande expérience, c'est de se dénaturer, de se désaccomplir, de se destituer, pour se rendre disponible à ce qui est plus grand que nous, comme dit Deleuze. Ensuite, dans cette scène que je me plais à me raconter sans cesse, Actéon Diane, il y a une autre métaphore, si je puis dire, de l'écriture, pour le dire bêtement, à savoir qu'il s'agit de suivre les brisées d'un dieu, d'une déesse. Voilà. Introduire dans la scène de pensée quelqu'un qui non seulement ne peut pas y être circonscrit, mais ne peut pas être circonscrit au quelqu'un.
Ce n'est pas quelqu'un. C'est pas non plus un quoi, c'est un sans pourquoi. Disons l'épiphanie, l'aletheia du Dieu. J'ai tendance à penser, mais là je vais trop vite, j'en suis désolé, qu'il n'y a pas de littérature s'il n'y a pas ça. Si on ne se rend pas disponible à cette chose-là. Dans cette scène, je vois aussi qu'il s'agit de voir une nudité. Ça, de manière très classique, on a appelé ça la révélation. Le contraire de l'information, ça pourrait être la révélation. J'ai l'impression que les kilos de phrases qui sont transportées par la société sous forme de livres sans cesse à tout moment croulent sous des informations, mais sont très faibles en révélation. Moi, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais moi je cherche des révélations, pas des informations. Et dernière chose, dans ce mythe, dans cette histoire que je réécris, que j'infléchis parce que, selon mon désir au fond, puisque c'est aussi lui que je cherche et que je pense que c'est qu'il a pris la place de l'arme d'Actéon. C'est lui qui va trouver quelque chose pour moi, qui va me nourrir. Eh bien, il s'agit de susciter un acte splendide, une aspersion. Je vais être aspergé, de susciter une rosée, de susciter une humidité, autrement dit un acte sexuel, enfin. Et dernière chose, je disais que c'était la dernière, mais j'oublie le principal, se jeter à l'eau. Voilà, ce qui manque au vide, dit-il, tranquille, ce qui manque à cette histoire qui se ponctue par une dramatisation de la limite masculine, c'est une scène... qui pourrait faire que ça se passe autrement? Comment faire en sorte que la déesse ne nous tue pas? Ça m'intéresse. J'ai tendance à penser que Actéon l'a mal regardé. Puisqu'il y a des histoires de chiens, et je pense qu'il l'a regardé comme une chienne, pardonnez-moi, mais il l'a mal regardé. La question du regard est fondamentale. Dans l'établissement de ce mythe. C'est pas parce qu'on regarde la déesse qu'on en meurt, c'est qu'elle estime, elle, que ce regard n'est pas bon. Peut-être y en a-t-il un bon. Qu'est-ce que ce serait de bien regarder? Vous entendez à quel point cette chose est immense. Enfin, bien regarder, si Jean-Luc Godard était là, il vous dirait qu'il y a un regard juste, ou juste un regard. Enfin, toute l'histoire même de la représentation occidentale est fondée sur l'ajustement d'un regard. Enfin, jusqu'où on peut regarder, et est-ce qu'il y a une éthique du regard? Comment on regarde? Bref, je pense par bêtise assumée, qu'il y a un problème là dans cette histoire qui relève de la manière dont Actéon était limité par sa violence, par son appartenance à Dionysos. Il ne pensait qu'à une chose, c'était de se déchaîner sur la déesse, et non pas de la faire apparaître, non pas de la laisser être. Peut-être qu'il n'avait pas lu assez Heidegger, voilà, je ne sais pas, je me dis ça. Et la Gelassenheit, ou Maître Eckhart, enfin, et laisser être cette situation. Voilà, comment faire en sorte que la déesse ne nous tue pas dès lors qu'elle révèle en nous la possibilité d'accéder à elle. Alors là, il y a un programme pour la littérature, je dois dire, qui est quand même... je ne passe pas ma vie à penser à des déesses, je pense à des personnes réelles, mais les déesses, pour moi, enfin, Lacan l'a dit, enfin, les dieux sont du réel. Je peux dire ça dans l'angoisse, je crois. Mais ça revient au même, voilà. Comment est-ce qu'on accède à quelqu'un? C'est-à-dire... Et c'est là où je voulais en arriver, je suis désolé d'être si lent. Comment est-ce qu'on accède à quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que l'amour, enfin? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que quelqu'un, enfin, nous juge disponible pour que ce quelqu'un puisse nous donner quelque chose? Et dans cette disponibilité qu'on a longuement élaborée,
en quoi est-ce qu'on parvient à donner, là aussi. Alors vous me direz, l'amour, c'est pas seulement le don, bon, ok, très bien. Mais il se trouve que je pense, en tous les cas, c'est une de mes obsessions, voilà, et j'écris aussi ça tout le temps, que cette scène où quelqu'un de plus grand qu'un sujet parlant le tue, pourrait se transformer en amour. Vous me direz tout ça pour en arriver là, merci, c'est gentil, lui. Mais, bah oui, voilà. J'appelle ça se jeter à l'eau, et j'ai même fait un petit film là-dessus que tu as vu. J'ai écrit un roman, j'ai pas arrêté, enfin, c'est d'essayer de réélaborer cette scène dont peut-être je dis de manière trop bouffonne, qu'elle a l'air érotologique, mais vous savez que l'érotologie c'est tout. Je pense qu'elle met en jeu un rapport possible à la rénovation du mot vérité. Voilà pourquoi j'emploie encore le mot vérité. C'est parce que je pense qu'il est possible de rejoindre l'objet qui semble être un obstacle. Et j'ai très très honte de parler, d'enfoncer des portes ouvertes devant des gens comme vous, mais après tout, je me jette à l'eau, je vous l'ai dit. Et voilà, c'est comme ça que ça a lieu pour moi, la tentative de faire parler dans la parole quelque chose d'autre que l'information. Je veux dire l'information biographique, sociologique, de faire parler... une dimension intérieure, au fond, de la parole, qui serait, alors, bon, il y a toute une littérature philosophique là-dessus, qui serait une parole qui parle à l'intérieur de la parole. Enfin, on pourrait le dire comme ça, et c'est très beau. Hein. Le déploiement intérieur de la parole. Ça m'importe d'autant plus, je le disais tout à l'heure, que je crois qu'à l'instar de la psychanalyse, qui est un champ toujours déjà menacé, et comment ne le serait-il pas, au fond, puisqu'il touche à la constitution politique du sujet sans cesse, parce que la psychanalyse est d'essence démoniaque, je le dis sans jugement de valeur, au contraire, je le dis à la manière de Baudelaire, au fond, qui dit que la vérité, c'est le diable, au fond, qui la détient. Parce que la psychanalyse, à mon sens, puisqu'elle ose toucher à l'intouché, qu'elle le veuille ou non, que les psychanalystes soient bien sages, bien gentils ou pas, ça m'étonnerait qu'ils soient bien sages et bien gentils, des membres sans cesse qu'il en ait du lien pour arriver à cette nudité, moi, comme je l'appelle, celle de Diane, qui serait pour vous peut-être l'autre, alors je ne sais pas. Bon, bref, la littérature est dans le même état. La littérature, tout le monde croit l'aimer. Les médias croient l'aimer, il y a des pages spécialisées de moins en moins, mais au fond, personne ne s'y intéresse. Ça n'intéresse strictement personne, au fond, la littérature. Ce qui intéresse les gens qui relèvent la littérature dans le champ des pratiques culturelles, c'est la possibilité d'échanger à partir des livres et de faire comme ça de la monnaie, qu'elle soit fausse ou réelle d'ailleurs. Enfin, il y a des bons livres, enfin, c'est pas ce que je dis. Enfin. Mais je crois que la littérature, j'allais presque dire, ça s'écrit pas en fait. Vous voyez, c'est quelque chose à l'intérieur des phrases, c'est quelque chose à l'intérieur de certains livres. C'est une mémoire en avant. Et c'est un discours dont la solitude, je crois, est pleine... et plein d'avenir, pour reprendre les mots de Stéphane, parce que à l'époque de l'instantanéité et de la simultanéité équivalente d'à peu près tous les discours, et de leur disponibilité archivale permanente, à l'époque où finalement il est possible constamment d'avoir à disposition toutes les paroles du monde, il me semble que précisément l'usage de la parole n'a jamais été autant attaqué. Je ne parle pas seulement
des formes dégradées de la parole en tant qu'elle devient de la langue de communication. Enfin, c'est l'évidence dans les, je sais pas quoi, dans les réseaux sociaux, la manière dont on s'exprime, même nous-mêmes, pour aller vite par texto. Je ne parle pas de ça, même si ça, c'est intéressant aussi. Mais je crois qu'il y a, quelque chose qui relève d'une forme de puritanisme planétaire quant au langage. Le puritanisme, contrairement à ce qu'on croit, n'attaque jamais la représentation sexuelle. Les puritains sont obsédés, en fait. Pense qu'à ça. Ce que j'appelle le puritanisme quant au langage, c'est l'absence de poésie. C'est l'amoindrissement de la valeur poétique du langage. La fruition, comme disait Roland Barthes, qui s'amoindrit. Là encore, je vous le dis en vérité, puisque j'ai été professeur pendant presque 20 ans, et que le lieu du professorat, c'est le lieu de la vérité. La vérité, alors pour le coup, là, expérimentale. On voit ce qu'on voit, on entend ce qu'on entend. Il y a un manque d'amour pour le langage, et surtout ce que Baudelaire appelait un épaississement de la sensibilité. Je trouve cette formule extraordinaire, enfin, 1860, je crois, dans Mon cœur mis à nu, l'épaississement de la sensibilité, dont il sent que ça va devenir, il ne dit pas planétaire, ça n'existe pas, mais mondial. Eh bien, je pense justement que, précisément, et de manière peut-être un peu apocalyptique, comme la littérature est un discours absolument minoritaire, quasi secret au fond, c'est devenu presque occulte au fond, eh bien, c'est sa chance. Peut s'y jouer quelque chose qui échappe à toute emprise. Je pense que c'est rare qu'un écrivain veuille concurrencer maintenant l'état civil, comme on disait au XIXe siècle. Il est rare qu'un écrivain ait une ambition sociale démesurée. Métaphysique, oui, mais sociale, franchement. Je ne sais pas, faire du foot plutôt, faire autre chose. Donc voilà, cette solitude de la littérature, et je vais arrêter parce que je crois que beaucoup parlé. Cette solitude de la littérature, pour moi, elle est destinale. Elle me fait penser avec amitié à la solitude de la psychanalyse. Elle me donne le courage de relire au vide, d'essayer de me mettre dans la disponibilité, j'aurais dit avant philosophique, mais maintenant j'assume de dire littéraire, au fond. De recevoir ce qui est plus grand que moi. Vous savez, c'est dans l'abécédaire, Gilles Deleuze, à un moment, dit la philosophie, et il a une extase, oui. C'est trop grand pour moi. J'adore, enfin, c'est trop grand, le trop grand pour moi. La langue de communication ne dit jamais c'est trop grand pour moi. Je pense que la parole, c'est ce qui est capable, de, non pas seulement d'accueillir le trop grand pour elle, mais de l'aimer, voilà. Je finirai juste sur une petite citation, comme ça, qui me vient. Je me souviens d'un livre assez beau qui s'appelle « Création et connaissance », ça fait très début du XXe siècle, de, comment il s'appelle, Hermann Broch, oui, qu'on ne lit plus tellement, très grand écrivain du début du XXe siècle. Et figurez-vous qu'il a écrit, avant Lacan, mais je ne sais pas si Lacan l'avait lu, un texte extraordinaire sur Joyce. C'est l'un des premiers à avoir écrit, je sais pas, 50 pages sur Joyce, donc création et connaissance. Et à la fin, il dit ceci, il dit, voilà, je pense que Joyce a inventé un nouvel amour du langage. Je vous remercie beaucoup. Oui, bien sûr. Je m'en serais douté. Alors, juste comme pour rire un petit peu, comme vous avez tout à l'heure eu un peu chaud, je voulais vous dire que vous êtes très jeune. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est les amoureux fervents
et les savants austères, hein, qui, dans leur mûre saison, aiment les chats qui, comme eux, sont frileux et sédentaires. Alors, vous voyez, moi, je suis frileuse et sédentaire, et vous, vous êtes jeune. Alors, c'est ma première remarque à propos de votre réaction à la chaleur dans la pièce. Et je dis ça parce que vous êtes, me semble-t-il, à la fois un amoureux fervent et un savant austère. Voilà pourquoi j'ai diagnostiqué chez vous un amour des chats. Et donc, c'est vrai que personnellement, je vous remercie infiniment d'être venu. Et c'est vrai que c'était mon but toujours, et dans la création de Corella en 1996, ça a toujours été en effet que la psychanalyse, toujours, pas spécialement parce qu'elle est menacée, je la trouve pas si menacée que ça autour de moi d'ailleurs, mais c'est toujours que la psychanalyse était idiote au sens où si elle se passait d'un rapport avec la littérature, la poésie, alors, permettez-moi un peu d'étymologie, pardon, banale, le poyen, le faire, puisque vous l'avez évoqué, mais sans le dire ainsi, donc je me demande si c'était sûrement présent dans votre esprit, eh bien, finalement, sans Corella, il faut bien dire que la psychanalyse, eh bien, elle est idiote, mais elle est idiote, pas au bon sens du terme, elle est idiote au sens de l'idios, c'est-à-dire qu'elle est là, elle avec elle, et... Hein, et c'est une catastrophe, de toute façon, indépendamment d'un moment historique, de quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai toujours trouvé que c'était de la folie de laisser la psychanalyse sans la philosophie. Hein. Je crois que ce n'est pas Stéphane qui va me contredire, puisque c'est pour ça que j'ai été si heureuse qu'il travaille avec nous. Hein. Sans la littérature, parce que franchement, enfin, c'est pas la peine d'être... Enfin, on sait bien que Freud l'a dit. Hein, que le psychanalyste a tout à apprendre de l'écrivain. Donc je remercie l'écrivain de bien vouloir apprendre quelque chose aux psychanalystes présents et aussi à ceux qui étudient la psychanalyse. C'est essentiel, c'est pas maintenant seulement que sans ça, la psychanalyse, si je peux me permettre d'être un peu contradictoire, que la psychanalyse c'est en danger. C'est toujours. Hein. Au fond, je dirais que Freud lui-même n'a cessé de citer Goethe, par exemple, et de dire évidemment toutes ces phrases. Et de même Lacan, moi j'avais fait une blague à Buenos Aires, puisque Lacan nous dit « la femme n'existe pas ». Alors pour blaguer, j'avais fait un titre quand j'intervenais à la nuit de la philosophie à Buenos Aires, et j'avais dit « Lacan n'existe pas ». Mais après, c'était sans la philosophie, sans la littérature. Hein. Donc voilà, ça c'est des choses un peu générales, pardonnez-moi, mais c'est pour vous dire à quel point je suis ravie, heureuse que vous ayez accepté de venir, en effet, comme l'a dit Luc, altérer hein, notre psychanalyse, et que bon, c'est tellement important. Alors peut-être, Laurence, veut dire un mot avant que je... Oui, tu veux... Ah oui, oui, mais c'est exactement ce que non, j'ai voulu faire. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Ah bon. Très bien. Je ne sais pas quoi dire. Oui, le poyen, ce que vous appelez c'est la fabrication, enfin le faire, oui, c'est ça. Ça n'est que ça, au fond. C'est toujours ça. Je crois que le poétique, c'est en cela la chance pour moi de la littérature, c'est que c'est un lieu. Dont le résultat est l'élaboration même. C'est-à-dire que tout livre est un art poétique. Tout livre de littérature est une méthode. On voit le langage en train de se faire. Rien n'est... C'est pas que ça n'y est pas résolu, c'est pas que ça n'est ni noué ni dénoué, mais tout y est exposé. Voilà. À sa propre mort aussi, et à sa sublimation possible. Enfin, je ne vois pas d'autre lieu que l'atelier où ça se fait. Et l'atelier, c'est le livre lui-même. Oui, oui, absolument d'accord, bien sûr. Bon, merci en tout cas beaucoup, Yannick, de partager avec nous cette expérience d'écriture. Je me suis dit, on est à Sainte-Anne, donc j'ai pensé à partager avec ceux qui sont venus nous écouter un moment où tu cites Lacan, dans Je cherche l'Italie, ouais. Où tu dis, qu'est-ce qui échappe au capitalisme? L'amour, la poésie, Lacan disait la sainteté. Alors je vais continuer un peu à te citer.
être un saint pour sortir du capitalisme, à une époque où la société n'a plus de dehors. Seule la sainteté serait capable d'avoir accès à la grande solitude, d'éclairer ce territoire miraculeux où l'on se tient soi-même, où l'idée même de conditionnement échoue. Les extases sont l'excès même de la raison qu'elle défie. Est-ce que je trouve que ce passage parle à la fois de la sainteté, je pense que la figure du saint qui est très présente dans ton œuvre, peut-être que tu pourras nous en parler après, ce moment où dans un, je pense que c'est important de partager ça, ce moment justement où la question de la raison et la question de la vérité se lèvent pour que la parole puisse venir justement, une autre parole que celle qui va être arrimée à la raison. Et que tu puisses aussi, en partageant ça avec nous, que ça puisse faire écho à ce qui se passe dans la psychanalyse. Voilà. Grand merci, c'est une vaste question. Oui. La question du saint aussi, oui. Le message, on la trouve beaucoup dans Yann Karski. Énormément d'être habité par le message, de devoir délivrer son message même si personne nous écoute, au-delà de la morale, que les gens ne sont pas ébranlés, la conscience du monde n'est pas ébranlée par le message. Et que c'est le message qui va habiter, en fait. Voilà. Et ça, je pense que c'est très présent en séance, justement, entre la parole et le dire. D'accord. J'ai une conception un peu bizarre de la sainteté, enfin, une conception hérétique, hétérodoxe. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une conception de la sainteté sans Dieu, parce que ces termes-là, justement, sont trop grands pour moi. Mais tel que je bricole dans ces Sioran qui disaient bricoler dans l'incurable, enfin tel que je bricole dans ces entours-là, je me dis que la sainteté, celle qui me plaît en tous les cas, qui me semble prenable, relève effectivement d'un comblement par le langage. Il y a l'idée que peut-être un corps entièrement fait de phrases, un corps subtil, comme disait Lévitique, qui a lieu dans certaines expériences, alors dans l'état d'écriture, comme dit Duras, dans certains ravissements, ou sans aller jusque-là, dans des moments, je dirais, de mobilisation du langage, où celui-ci s'ajuste de manière telle qu'il semble scander la temporalité elle-même. C'est-à-dire, quand ça écrit, quand on n'est même plus là au fond, eh bien j'ai tendance à me la jouer du côté de la sainteté. Non pas à me croire saint, mais à penser que s'il y a du corps saint, avec un T évidemment, ce serait quelque chose qui réaliserait textuellement un comblement. Voilà. Ce serait le désir sans manque. Par ailleurs, je suis très requis par les saints et les saintes, notamment saint François d'Assise, en qui je vois aussi une figure politique qui intervient avant le déploiement en Europe du tout monétaire, au fond. C'est-à-dire que la question de la sainteté consiste à laisser une place vide pour la gratuité. Un saint, pour moi, c'est quelqu'un qui pense de manière folle que la gratuité vaut plus que l'argent. Alors, vous me direz que... C'est un point fou. Oui, un point fou, voilà, c'est vrai. J'imagine que le catholicisme est fondé en essence là-dessus, mais comme on sait, ça n'a pas lieu. Enfin, ce souhait a été dévoyé depuis toujours. Par ailleurs, et c'est là où je voulais en arriver, si la sainteté, mais là aussi ce sont des mots que je prononce, tu parlais de tremblement, alors moi je suis pris d'une timidité, j'aime bien la timidité, mais c'est une timidité sans inhibition, mais quand même je me sens très idiot, oui. Et comme on sait, les idiots sont des saints, idiotesses, mais bon, la sainteté pour moi, et déjà rien que de dire pour moi, c'est déjà trop, mais ce serait la possibilité d'être indemne. La question de l'indemne m'importe infiniment, et j'aimerais être capable de la déployer
d'une manière autre que narrative. J'aimerais pouvoir la penser, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien pour moi de m'aventurer dans des parages qui ne soient pas littéraires. L'indemne, étymologiquement, comme vous l'entendez, c'est ce qui est non damné, c'est ce qui échappe à la damnation. J'ai tendance par facilité à trouver très vite les situations infernales et à penser que l'enfer est ce qu'il y a de mieux partagé sur Terre. C'est dans Rimbaud, je me crois en enfer, donc j'y suis. Et s'il y a bien quelque chose qui relèverait d'un héroïsme, alors pour le coup, parce qu'on parle de saint, alors parlons de héros, d'un héroïsme simple, limpide, quotidien, ce serait de sortir de l'enfer, sortir sans cesse d'une situation infernale. Alors là, je ne vois pas d'autre chose que la parole, je ne vois pas d'autre chose que le langage, qui est lui-même la possibilité de l'amour. Je cherche effectivement un point, je cherche un lieu, peut-être en moi, mais pas seulement en moi, je cherche un lieu où la société, disons, n'aurait pas prise, je cherche un lieu où, qui résiste, qui soit irréductible à toutes les possessions. Et bref, je cherche à ouvrir par du langage, à élargir en moi l'indemne. Cet indemne, j'ai du mal à le définir, et encore une fois, je crois qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui ne va pas non plus, même si j'essaye d'être clair, qui ne va pas non plus se soucier de rationaliser des définitions. Mais voilà, c'est là que ça a lieu. C'est là que ça doit avoir lieu. Il le faut. Et il est possible que l'indemne soit aussi une revendication politique, je le dis alors là, très bêtement, très platement, pour quelqu'un, pour un sujet parlant aujourd'hui, pour un corps parlant. Là aussi, Milner, je sais que nous avons ça en commun, cette lecture passionnée. Pour moi, Milner est l'un des penseurs les plus crus aujourd'hui, au sens où il n'hésite pas à être coupant, même à éventuellement à se fiche pas mal de savoir si on le comprend, si c'est ambigu. C'est un penseur ambigu, comme Nietzsche, au fond, à une époque, dans sa véhémence. Et Milner dit très bien, dans Politique des corps parlants, que ce qui définit in fine un sujet politique, c'est la question de la mise à mort. C'est-à-dire que nous sommes tous des survivants, nous survivons sans cesse à des décisions biopolitiques ou autres qui pourraient faire en sorte qu'on soit mis à mort. Symboliquement ou non. Et voilà, la question de l'indemne pour moi, et donc de la sainteté, c'est pas un petit fantasme littéraire de, je sais pas quoi, Flaubert se disant « je suis un saint, tout seul, en train d'écrire contre la terre entière ». Bon, Flaubert, c'était déjà pas ça, hein, mais la question de la sainteté, effectivement, est topologique, et elle intervient là, avec la mise à mort qui rôde. Je reviendrai bien à la scène au départ, puisque quand vous nous éclairez la scène en nous disant que, eh bien, Actéon qui a cessé de chasser, hein, finalement, vous dites très nettement, devient sa propre proie. Hein, et au fond, lui qui était un tueur devient un tué, et en particulier, il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle la mélancolie, c'est-à-dire quand même qu'il devient cet objet réel bouffé par les chiens, hein, alors que finalement il était jusque-là enfin ce chasseur. Hein. Donc c'est une belle façon de parler de la mélancolie, de devenir éventuellement sa propre proie, hein, c'est-à-dire que c'est bien ça qui arrive à un moment donné au mélancolique, à Baudelaire par exemple, hein, c'est devenir sa propre proie. Mais, vous semblez, si j'ai bien compris, évoquer évidemment la nudité de la déesse et ce regard. Ce qui m'amène à deux choses. D'une part, j'ai entendu que vous disiez jusqu'à Sartre, si vous voulez bien, j'aurais bien aimé savoir jusqu'à Sartre, puisque évidemment, le regard est si essentiel dans ce que nous avez dit, et que quand même, le regard, enfin, de Sartre à Lacan,
on voit bien quand même que c'est une sorte de réponse de l'un à l'autre, plus exactement de Lacan à Sartre, et que c'est vraiment important. Et là, vous avez évoqué cet essentiel, je ne sais pas si c'est le mot juste, du regard. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y aurait une petite solution, éventuellement passagère, pour ce chasseur-tueur qui consisterait, comme l'a dit Lacan, à dire à un moment « tuer ma femme ». Voilà, c'était comme ça. Voilà. « Tuer ma femme ». Ben oui, Lacan marque le joke de « tu es Allez. Mon mari, tu es ma femme et tu es ma femme ». Et donc, c'est une façon très élégante de passer d'un rôle de tueur à un autre, beaucoup plus sympathique et élaboré. Alors, je ne sais pas si vous êtes de cet avis. En amoureux fervent, je voulais vous demander si le savant austère était d'accord avec ça. Il est clair qu'il y a... Je vais peut-être prendre ça. Il est clair pour répondre à « tuer ma femme », il est clair que dans la scène d'Actéon et de Diane, il est question d'une noce. Enfin, en tous les cas, je l'espère, cette noce. Il est question d'un lien. Et c'est drôle parce que j'ai longtemps superposé, j'ai longtemps cru trouver ce lieu. Il y a d'innombrables lieux sur Terre où on peut faire cette expérience, enfin, du moins l'halluciner ou y croire. Il y a des lieux charmants où on peut trouver au bord d'un lac des roseaux et regarder quelqu'un se baigner nu. Bon. J'ai choisi un lieu en Italie qui s'appelle le lac de Nemi, et sans me rendre compte, et je m'en suis rendu compte, c'est un ami qui m'y a fait penser il y a deux jours, c'est pour ça que je vous le dis ce soir. Nemi, donc c'était à 50 km, 30 km de Rome, je ne m'étais pas aperçu que Nemi est l'anagramme de Hymen. Voilà. Vous me direz, vraiment, et alors il s'agit bien d'un Hymen, voilà. Il s'agit bien de. Il s'agit bien non seulement d'une traversée d'un certain miroir, sans doute, ce lac étant le miroir de Diane, mais également de la constitution d'un... Oui, je ne sais pas comment dire ça, d'une union, voilà, d'une union. Alors, je ne savais pas que Lacan avait dit « tuer ma femme », mais ça, dans son caractère menaçant, où j'entends bien son caractère, là aussi. Lui aussi fait partie de la famille de Dionysos, non ? Enfin, je le sens comme ça, mais... il y a un hubris qui est trop pour moi. Je suis très pacifique, vous savez. Et c'est aussi peut-être que... Être trop pacifique fait qu'on n'accepte pas à certaines choses. Même Jésus a dit que le royaume était pour les violents. Enfin, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, j'attends effectivement de ma rencontre avec la déesse un mariage, bien sûr. J'attends le oui. Quant à ce que vous disiez avant, Sartre, oui. Sur le regard, oui, oui. Sartre et Lacan, mais c'était pas. Je ne sais pas assez qualifié. Au fond, j'ai une lecture anarchiste de Sartre, oui, c'est-à-dire La Nausée, enfin, c'est son grand livre anarchiste, au fond, c'est là où précisément il y a de l'irréductible en Sartre qui ne va pas se satisfaire d'être employé. Là, il n'est employé par rien, et encore moins par le politique. Son regard est à la recherche d'autre chose que la fossilisation politique. La fameuse scène de Roquentin dans La Nausée, c'est une mise au monde, alors là pour le coup très mélancolique effectivement, de ce qui naissant se met à perdre toute identité. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est en trop ? Voilà, c'est l'expérience du trop, c'est trop. L'expérience du c'est trop induit normalement une violence. On va tout de suite par phobie éliminer ou s'en aller. Si on arrive à endurer le c'est trop, alors on devient un poète. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je pense que Sartre a été un poète. Enfin, bon, la Nausée, c'est stupéfiant. Enfin, après, il a besoin, comme Aragon, parce que c'est une époque très compliquée, il a besoin de...
d'amoindrir sa liberté pour la conquérir ailleurs. Et alors du coup, il m'intéresse plus. Et donc, je dois dire que je ne sais pas très bien répondre sur le face-à-face Sartre-Lacan, parce que là, vous êtes plus qualifié que moi. Non, non, mais c'est parce que vous avez cité Sartre comme un moment, c'est pour ça que j'ai posé la question. Je dis un mot, après peut-être qu'on passe la parole à la salle, évidemment, mais je veux deux mots. D'abord, pour reprendre sur la synthèse, parce qu'en effet, Laurence a raison de noter l'acuité de la présence du terme et de ce que tu tisses autour, au fur et à mesure dans tes livres, ça revient. Absolument. Juste un mot pour la sainteté en hébreu, kadosh, kedusha, kidush, c'est le séparé, c'est la séparation. Et donc, vous avez prononcé ce mot de sainteté, mais il y a eu toute une chaîne d'associations de signifiants, parce que si on prend la sainteté dans ce sens-là, du séparé, alors peut-être qu'on a un éclairage important sur beaucoup de choses qui sont en rapport entre la littérature et la psychanalyse, ni l'une n'est pas l'autre, tout ça n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est les points de passage qui nous permettent de travailler. C'est que un jour, tu as écrit une question qui me rend beaucoup, la communauté, c'est la mort. Donc, ce rapport de la distance, de la séparation, de l'espacement, de l'écart, sont des rapports qui sont en jeu continuellement dans l'analyse, qui est par les lettres même de son nom, analuein en grec, déloué, dénoué, délié, désédimenté. Et en fait, il y a cet aller-retour entre ce que tu fais de la littérature comme sainteté, que j'entends comme séparé, séparation, etc., comme question de la communauté, c'est la mort, ce qui oblige à repenser d'une manière extrêmement précise ce qu'on appelle partout aujourd'hui le lien social. Parce que tenir une position aujourd'hui comme la communauté, c'est la mort, c'est extrêmement difficile, une position que je tiens, que tu tiens, mais qui relance aussi le politique depuis la littérature, depuis une certaine psychanalyse. Et par ailleurs, je vois dans cette nécessité-là, en même temps, une question éminemment politique au sens de Milner, comme tu le disais toi, parce que la sainteté, obsession de Lévinas, c'est pas la première fois que je fais un rapport entre Lévinas et toi, par les textes. Obsession de Lévinas, au point qu'à la fin de son œuvre, il proposera de remplacer le terme d'éthique, trop grec, dit-il, par le mot de sainteté. Mais une sainteté très compliquée, telle que tu la penses, telle qu'elle se dit dans la séparation, l'espacement, etc. Et pourquoi politique? Parce que c'est là le saut de l'éthique au politique qui est très intéressant, c'est qu'il dit la sainteté comme inquiétude pour la mort d'autrui plus que pour ma propre mort. Et là, ça touche pile à ce que tu dis de Milner, donc pour une politique des corps parlants, parce que politique qui est définie comme l'inquiétude pour la survie des corps parlants. Donc c'est là que je vois une sorte de passage incessant entre cette psychanalyse qu'on essaie de penser et qui permet de repenser le politique, la littérature telle que tu, singulièrement pour moi, qui te lis depuis longtemps, l'a fait, et cette question de sainteté, c'est un raccord au fond que je vois là. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est plus que merci, mais tu sais que je te remercie beaucoup, parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, et je voudrais le relever. Parce que pour ceux qui ont en tête, tout le monde a ça en tête, tiens ferme ta couronne, il y a une scène que tu écris où Cimino fait un film en parlant. C'est extraordinaire. J'ai entendu Denis Lavant lire cette scène-là qui devenait extraordinaire. Elle était extraordinaire, qui est devenue sublimissime. Et là, on avait chaud de le voir. Et que fait Cimino dans le livre? C'est simple, il parle
raconte quelque chose, des scènes alors crues, cruelles, et le personnage se rend compte qu'il vient de voir le dernier film de Cimino, qui est un récit fait par Cimino lui-même, sans images. Il y a des images partout, et c'est sans images. Et là, tu as fait exactement ça, au fond, avec la littérature, parce que je crois que quand tu dis, tu nous prépares, je vais vous donner une scène, et puis tu racontes au vide, mais tu ne racontes pas au vide, tu opères le déplacement dont tu dis qu'il est la littérature lui-même, c'est-à-dire qu'il donne la possibilité de sortir de l'impasse dans laquelle est au vide, en refaisant au vide, en répétant, quand on dit que la répétition demande du nouveau, tu as amené le nouveau, et donc tu as fait la littérature telle que tu l'as dit, parce que tu as dit, c'était extraordinaire, la littérature ça ne s'écrit pas. Et tu as fait exactement ce que tu nous as expliqué de la littérature, et pour ça je te remercie. Merci. Merci. Je vous en prie. Toujours un petit peu gênant ce moment. Philippe. Oui, bonsoir. Comment dire ? Je vous ai écouté et j'ai eu le sentiment de rencontrer une langue. Et alors je me suis dit que je vous avais lu beaucoup trop vite et que j'allais vous relire. Parce que ce que je cherche dans la littérature, c'est ça, c'est une langue. Sans doute, comme vous cherchez la vérité, une vérité. Enfin, comme vous l'avez signalé, quelque chose qui ne soit pas de l'information, qui ne soit pas strictement narratif, quelque chose qui soit autre, voilà, mais une révélation. Donc, une langue, et vous écoutant parler de Diane, il y a cette référence à l'amour. Je crois que c'est Françoise qui a employé l'amoureux fervent ou l'amour fervent. Oui, c'est Baudelaire. Oui, il y a des mots comme ça qu'on oublie. Enfin, je suis retombé sur un mot qu'on emploie de manière adverbiale, mais le verbe arder, des choses comme ça. Et j'ai pas pu m'empêcher, alors je n'ai pas pu m'empêcher, vous écoutant parler de cette scène, un auteur qui, pour moi, a une langue, enfin, je lui suppose cette langue, puisque ça m'a fait l'effet d'une langue. Et le livre en question, c'est... Alors, je vous pose la question à la manière dont Françoise vous a demandé si vous aviez des chats, j'ai pas écouté la réponse. Je veux parler de l'inespéré de Christian Baudin. Je sais pas ce que vous pensez de cette écriture, enfin cette façon d'aborder la question, en tout cas de son côté, la question de la femme. Voilà, j'avais envie de poser cette question, au fond peut-être un peu stupide, mais voilà. Merci beaucoup pour le verbe arder. J'aime bien. Ardeur aussi. Chaleur. Je n'ai pas lu beaucoup Christian Bobin, j'en suis désolé du coup. L'inespéré, quel beau titre. Je me souviens d'un livre de lui, puisque vous parliez de sainteté, sur Saint François d'Assise, il y a très très longtemps, le Très Bas, je crois, qui m'avait énormément plu parce qu'il m'avait semblé que Bobin était quelqu'un qui justement, depuis un territoire, un lopin, je ne sais pas, qui serait celui d'une forme de douceur, travaillait dans une langue, enfin dans un sillon, qui visait à trouver des étincelles là où il semble partout qu'elles soient obscurcies. Donc c'est un lumineux, voilà.
Après, je n'ai lu que ce livre sur Saint-François, et comme j'étais requis par ma propre passion pour Saint-François, j'avais l'impression que c'était devenu un ami, ce Bobin. Mais vous voyez, c'est une lecture très enveloppante, égoïste, donc je ne sais pas. Mais de fait, la question de la... Pour le dire un peu à l'ancienne, la question de la quête, la question de la... de l'interrogation inquiète devant ce qu'il en est de la fossilisation du sujet, de notre propre vie, au fond, de notre incapacité à aimer assez, pour moi, relève du seul geste politique. Je ne m'en fais pas une religion, et j'espère ne jamais m'en faire une religion. Et je préfère parler même de politique des solitudes que de communauté, effectivement, parce que, par pudeur, au fond, par peur de la vulgarité, voilà. Je ne sous-estime pas ma propre vulgarité, elle est là à chaque syllabe, mais je lutte pour la transformer. Et en tous les cas, effectivement, j'entends bien, dans des tentatives comme celle de Christian Bobin, enfin, quelque chose aussi comme une affirmation que la poésie est un savoir. Et ça, je crois que c'est tout à fait précieux. Enfin, il ne s'agit pas de se replier sur des choses anciennes, mais de leur prêter une clairvoyance générale. La poésie n'est pas un registre. Je dis la poésie, le poétique, le littéraire, disons. On n'a pas besoin de faire des vers, disons. Le poétique n'est pas un registre amoindri de quelque chose qui relèverait de la pensée ou de l'action. Et je pense que c'est une modalité même de l'être, au fond. Et encore une fois, je pense que Heidegger avait diagnostiqué génialement l'oubli de l'être, mais l'oubli de la poésie, c'est constamment, c'est tous les jours. C'est une entreprise de destruction massive, cet oubli de la poésie. La poésie n'étant pas le petit supplément masturbatoire faisant de chaque être humain quelqu'un d'à peu près convenable. Non, c'est son être même. Sans cet inespéré du poétique, il n'y a pas d'humain. Enfin, voilà, c'est tout. Puisque vous évoquiez la question de savoir si on pouvait vivre avec la vérité et le rapport de la quête de la vérité avec en littérature, évidemment, c'est une question qui occupe la psychanalyse et qui anime la psychanalyse, la quête de vérité. Juste que j'étais curieux d'une conversation inachevée juste avant de commencer, autour de mais c'est peut-être trop intime et peut-être indiscret par rapport à votre travail d'écriture actuelle, ce qu'il en est du Caravage et de son regard. Et, si vous voulez en dire quelques mots, sinon. Bah, c'est où j'en suis, je peux là, je crois que je suis nu, non enfin... mais du coup, s'il y avait une question, je ne sais pas. Oui, il se trouve que voilà, j'écris un livre, bon, ça arrive à tout le monde. Et il se trouve que je fais que ça, en fait. Donc, je suis en train d'écrire un livre. Et j'en suis très content parce qu'il est presque fini. Et je disais tout à l'heure, pour blaguer, mais c'était sérieux, que j'en étais à ce point où je n'ai pas envie de m'en défaire. Je me suis inventé toutes sortes de choses pour ne pas avoir à le terminer. J'ai même eu un hoquet pendant 3 jours. C'est absolument sidérant. Enfin, assez dur à supporter, je dois dire. Mais je préfère ne pas... trop savoir, mais vous savez, vous, ce hoquet. Bon, enfin, passons. Bref, je n'ai toujours pas terminé le livre grâce à ce hoquet. Et la question pour moi de me mettre pendant un an à méditer, si je puis dire, sur la peinture, c'est-à-dire à ne faire que regarder des tableaux. Et il se trouve que le Caravage, il y a à peu près 60 tableaux, disons. Il y en avait plus avant, mais on lui avait attribué toutes sortes de choses un peu folkloriques, pour l'amoindrir, des choses dans les têtes. Dès qu'il y avait quelqu'un dans une taverne, un peu bourré, comme ça, on dit « ouais, c'est un Caravage ». Et il se trouve que c'est tout le contraire, enfin, le Caravage.
et que c'est le premier grand peintre de la contre-réforme, donc de quelqu'un qui a explicitement un rapport catholique, en l'occurrence, avec ce qu'on appelle la vérité, avec ce que la contre-réforme a appelé la vérité, à savoir qu'il a été question, c'est une très grande entreprise, comme vous savez, il suffit d'aller à Venise, d'entrer dans n'importe quelle église, ou Florence un peu moins, c'est plutôt la Renaissance, mais à Rome évidemment, il suffit de pousser des portes pour voir qu'à un moment, la vérité, ça s'est peint, et que ça a été une décision stratégique de l'Église catholique de rendre le visible saint et de faire en sorte que le visible soit le lieu, soit la matière même du spirituel. Alors, j'ai choisi le Caravage parce qu'il est totalement fou. Hein. C'est quelqu'un qui à la fois est le peintre qui s'est approché, à mon avis, le plus près du noir, de ce fond nocturne du visible depuis lequel Dieu se donne et s'absente. On n'y voit rien, comme dirait Daniel Arras. C'est quelqu'un qui n'a cessé par sa vie, là aussi, voilà, un frère de Dionysos, enfin, lui aussi, il est de la famille, enfin, ça dégage. Là. Il n'a cessé par sa violence de récuser toute possibilité d'échapper au péché. Et comment un peintre qui n'a cessé pendant 15 ans, parce qu'il peint, il meurt à 39 ans, qui n'a cessé de peindre Isaac, Jean-Baptiste et le Christ, mieux que personne, enfin, c'est mon idée, enfin, comment cet homme peut-il à ce point être enserré dans le mal? Et est-il enserré dans le mal? Voilà, c'est, vous savez que le Caravage a tué quelqu'un. C'est l'un des rares peintres à avoir été criminel. C'est quelqu'un qui, dans chacun de ses tableaux, peint des décapitations. Il était lui-même condamné à mort par décapitation. Les 5 dernières années de sa vie, il les a vécues en exil, comme un fuyard. Il vivait, selon les rares témoignages qu'on a eus, il dormait tout habillé avec une dague dans sa main. Enfin, le pinceau et la dague suscitaient le même geste. Peindre et porter un coup était le même. Et il se trouve qu'effectivement, suivre le Caravage, pendant un an, être enfoui et s'enfouir avec jouissance dans les archives. Il y a un moment, ce qu'il y a de beau, contrairement à un roman, c'est qu'on peut se dire qu'on a tout lu. Et je dis ça sans orgueil. Enfin, je lis à peine deux langues, le français et l'italien, un peu l'anglais aussi, mais il y a un moment, au fond, on n'a fait que ça. Il y a peu de chances pour que des archives nouvelles ressurgissent depuis 1595. Et il y a peu de chances pour que de nouveaux spécialistes infléchissent le regard de manière si fondamentale que ça sur un tableau. Et puis il y a un moment aussi, et c'est ça qui m'intéresse, où le tableau et nous sommes seuls. Et ça, c'est une expérience. Je me rends compte que c'est le point de solitude. C'est comme de suivre la déesse, voilà. Enfin, c'est le frayage, se retrouver face à des tableaux. Ce qui m'a plu, c'était une expérience comme ça, évidemment, d'aller voir les tableaux. Je les ai presque tous vus. Il y en a certains qui m'ont échappé parce qu'ils sont trop loin. J'ai pas pu. C'est trop cher. Enfin, l'avion. Et puis il y a des collections privées, pas tant que ça. Mais raconter ce qui se passe face à un tableau, y passer des jours, des nuits. Mobiliser des savoirs comme on vient de faire là, qui viennent de tous horizons, l'histoire de l'art qui devient passionnante quand on y injecte aussi ses propres exigences, et puis de la philosophie, de la théologie, parce que du coup j'ai dû lire des tas de choses passionnantes, notamment encore une fois La vie des saints, La légende dorée que le Caravage a lu, de Jacques Voragine. Il peignait avec des instructions qu'on lui donnait, mais aussi des textes. Et puis lire et relire les évangiles, enfin, c'est une chose. Enfin, c'est inouï, quoi.
Et Louis Marin, qui est l'un des plus grands spécialistes de l'histoire de l'art, disons 16e, 17e, en France, et qui a écrit un livre, pour le coup, très fou, qui s'appelle « Détruire la peinture », parce que, comme vous le savez, Poussin disait du Caravage qu'il était venu pour détruire la peinture. Bon, il y avait une rivalité, évidemment, et des esthétiques différentes. Louis Marin en arrive à dire que le problème de la vérité gît entre tête et corps. Et que donc, cette histoire de décapitation, qui est à l'œuvre dans une dizaine de tableaux du Caravage, vous pouvez aller en voir, notamment à Jacques Marandré en ce moment, vous entrez, il y a Judith qui vous décapite devant vous, je pourrais dire Holoferne, mais je ne mets même pas de nom, qui vous décapite devant vous. Le regard masculin, là, il en prend un coup, hein, parce qu'on est fasciné érotiquement par elle, et on a la sanction immédiate. C'est un bon exercice. Enfin. Ça se passe là, voilà. Le problème de la vérité gît entre tête et corps. Voilà, donc ça a été passionnant. C'était une aventure d'écriture stupéfiante. Enfin, je ne sais pas si le livre est bien, mais j'aimerais dire j'en sors. Non, j'y suis. Merci beaucoup. Il va falloir le lâcher quand même pour profiter. Ce livre. Merci beaucoup Yannick Hennel. Merci. Merci de ce récit formidable que vous avez fait. Merci à vous d'être venu. Pour ceux qui peuvent un peu rester, on propose de prendre un petit verre à l'Institut de psychanalyse. Donc il faut suivre le mouvement vers l'Institut de psychanalyse qui est entre les pavillons B et C, mais il y a suffisamment de gens qui savent pour aller par là. Oui, Laurence, un petit mot sur... Sur les éditions, peut-être. Sur les éditions, Arman, oui, bien sûr. Juste dire que les éditions Herman publieront normalement. Stéphane en avait parlé. Voilà les trois conférences qui vont avoir lieu. Je ne l'ai pas écrit. On trouvera une forme d'écriture après la scène d'écriture. Et voilà, c'est une annonce pour des choses à venir. Voilà. Comme c'est des annonces, je vous annonce que. Françoise et moi reprenons notre séminaire mercredi 19 décembre, ici même, et qu'on recevra le génial philosophe Peter Zendi, puisqu'on est en train d'écrire ensemble une théorie, enfin ensemble, dans le séminaire, une théorie de l'écoute, et que, comme vous le savez sans doute, nombre de ses livres tournent autour des oreilles et de l'écoute. Donc il viendra discuter de tout ça avec nous. Venez, on s'amuse bien. Merci.